L'éducation au territoire est un des axes forts du futur projet de la charte. C'est une action qui est déjà bien engagée par l'équipe du parc naturel régional. Mais cette année, donc, nous avons accompagné 19 classes ainsi qu'un centre de loisirs dans le cadre du projet éducatif du parc, donc de découverte de son territoire. C'est un projet qui est mené en partenariat avec l'éducation nationale, bien sûr, et le musée du Cusal, puisque l'aboutissement en fait, de toutes les actions dont ont bénéficié en fait, les classes accompagnées durant l'année scolaire, on trouve leur point d'orgue un peu dans le cadre de cette journée de rencontres et d'échanges que l'on organise donc, au musée de plein air de Cusal en fin d'année scolaire et qui a eu lieu le 17 juin. C'est vrai que ça fait partie des axes d'amélioration puisque j'ai souhaité qu'on mette bien en avant à l'avenir. Quand on s'engage dans cette action d'éducation au territoire, en fait, on va jusqu'au bout et ce temps d'échange, de partage des expériences ne soit pas une option, mais fasse bien partie de l'intégralité du projet. Parce que certes, c'est intéressant de faire travailler les enfants sur l'éducation au territoire, comment mieux habiter son territoire, comment regarder autrement que quand on regarde la télé et qu'on zappe. Hein. Vraiment percevoir le paysage, le ressentir. C'est important, certes, ces actions menées tout au long de l'année, mais ce temps d'échange, de partage des impressions et des expériences, à la fois pour les enfants, mais aussi pour les adultes, donc les enseignants ou les animateurs au centre de loisirs, pour moi, ça a autant d'importance que toute l'action menée le long de l'année. Enfin, on parle aujourd'hui de tout faire pour mieux vivre ensemble. Voilà, je suis habité, on va dire, par ce souci de donner des occasions aux gens de mieux vivre ensemble sur leur territoire. Et je pense que ça passe par là, effectivement, et la participation à cette journée, pour moi, donc un enjeu important. Nous avons souhaité réunir l'ensemble des enfants qui avaient travaillé avec le parc sur des projets d'éducation au territoire. Donc c'est à peu près 400 enfants qu'on a réunis là. Et dans une étape, dans un projet, c'est toujours important de valoriser ce qu'on a fait. On a eu un super soleil, donc ça, c'était quand même vraiment agréable. Donc c'est aussi un moment que l'on souhaitait pour prendre du plaisir. Donc c'est une journée de fête, on peut le dire. Donc les enfants se sont tous retrouvés, ont pu s'allonger dans l'herbe, ont pu rencontrer d'autres enfants. Et puis on leur a proposé différents temps d'atelier. Alors d'abord un temps de spectacle où une des artistes qui est intervenue tout au long de l'année a pu nous présenter son spectacle de danse qui a été suivi d'un échange avec Patricia Ferrara qui a donc accompagné les enfants tout au long de l'année sur le thème du paysage. Un grand moment bien intéressant. Ensuite, il y a eu des différents ateliers, des ateliers avec les animateurs de l'équipe de Cusal, des ateliers autour de la ferme du 19e siècle, des ateliers à l'imprimerie, des ateliers à la boulangerie, et puis aussi des ateliers proposés par d'autres animateurs, éducateurs à l'environnement qui sont intervenus tout au long de l'année auprès des enfants. Sur le paysage, par exemple, avec Émilie Gras, il y a eu aussi un atelier autour de la circulation de l'eau en milieu souterrain avec la plateforme Sciences de Figeac, un atelier animé par les amis du Célé sur les insectes, un autre sur les grenouilles avec le Marais de Bonnefond. Bref, tout un tas de propositions que les élèves ont choisies avec leurs enseignants et ils ont pu tourner tout au long de la journée autour de ces différents ateliers pour découvrir plein de nouvelles autres choses. Et puis aussi une exposition, un espace très important puisque c'est aussi le lieu où les enfants ont pu présenter leur production avec de nombreuses sculptures qui ont été réalisées avec l'accompagnement et l'aide de Laure Godebert. Donc une très belle exposition et réalisation de sculptures mais aussi d'autres réalisations sur les projets, un film par exemple sur ce qui a été vécu par les enfants avec Patricia Ferrara autour de la danse et du paysage. Voilà, donc un espace où tous les enfants ont pu passer dans la journée pour voir et découvrir ce qui a été réalisé par les autres enfants. Et puis un atelier aussi qui était important pour nous dans la préparation de cette journée.
On a souhaité qu'à un moment donné, les enfants puissent vraiment rencontrer d'autres enfants. Ce n'est pas facile quand ils sont si nombreux. Donc, c'était des temps un peu privilégiés où une classe rencontrait une autre classe sur un atelier qu'on a intitulé « La carte au trésor ». L'idée, c'était de faire émerger la parole avec un petit outil d'atelier un peu d'écriture. Et puis, c'était super parce qu'il y a eu très beaux mots au trésor, très beaux mots partagés qui ont émergé de cet atelier. Sourire, projet, plaisir, explorateur, vivre. C'est un peu les mots trésor et chaque enfant a pu repartir avec sa petite boîte au trésor et le nom partagé, le mot partagé écrit dessus. Donc c'était plutôt encourageant et enthousiasmant de voir tous ces mots très, très positifs qui sont sortis de leur projet. Ce qui était important, c'était de voir un peu leur capacité et de valoriser vraiment tout ce que les gamins sont capables de percevoir et de ressentir d'un territoire qu'on imagine mal quelquefois. Voilà. Et c'est vrai que notamment, il y a une classe qui a travaillé sur l'aménagement d'un espace public, collectif. Ça a retenu tout particulièrement mon attention parce qu'effectivement, ça peut donner des idées d'implication des jeunes à la vie de leur commune, d'un territoire plus vaste, communauté de communes et du parc. Et on se rend compte que quand on se donne la peine de leur donner la parole, ils ont énormément de choses à dire et tout à fait intéressantes. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je pense que nous allons très rapidement constituer un comité syndical jeune, puisque c'est une de mes priorités. Il y en a beaucoup des priorités, mais engager les jeunes dans la réflexion sur le territoire, le parc naturel régional, et je crois que c'est important. On imagine ce territoire à 12 ans, les jeunes d'aujourd'hui sont les décideurs peut-être de demain. Et donc, je crois que c'est important de pouvoir avoir cette parole. L'éducation au territoire, ce n'est pas facile à expliquer. Les élus de la commission culture, éducation du parc l'ont défini en quelques mots. Territoire. Faire ensemble. Valeur. Partage. Mosaïque. Respect. Protection. Relais. Projet. Près du territoire. Connaissance. Appropriation. Découvrir. Nature. Avenir. Identité. Solidarité intergénérationnelle.